Communion au quotidien. Bonjour amis, je bénis le nom du Seigneur qui vous fidélise à communion au quotidien. Je continue de réclamer du Seigneur ses grâces abondantes pour vous et pour votre famille. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Soyez les bienvenus. Nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Il n'est plus à démontrer que le discours ne suffit pas aujourd'hui pour gagner le monde à Christ par l'Évangile. Les actes doivent confirmer nos discours. Hier, nous avons vu comment l'Évangile est arrivé à Antioche suite à la vague de persécution après la lapidation d'Étienne sous l'approbation du Sanhédrin. Les croyants dispersés en profitaient pour partager, annoncer l'Évangile aux gens de leur environnement d'accueil immédiat. Et c'est ainsi que Philippe a annoncé l'Évangile à Samarie et en Césarée. Et graduellement, le Saint-Esprit a ouvert la porte de la grâce aux nations non-juives. Et voilà maintenant une église nouvellement fondée à Antioche, encore par des croyants dispersés par la persécution. Ayant appris la nouvelle, l'église de Jérusalem a dépêché Barnabas à Antioche. Là, l'envoyé a pu voir la manifestation de la grâce de Dieu, s'en est réjoui et il a juste exhorté les croyants à demeurer attachés au Seigneur. Ce témoignage sous la puissance du Saint-Esprit a eu pour effet l'intégration d'une foule de croyants dans l'église d'Antioche. Et Barnabas a étendu son voyage jusqu'à Tarse pour rencontrer Saul et l'emmener à Antioche. Et la parole de Dieu nous dit qu'ensemble, ils proclament le message de la parole de Dieu. Et là, les croyants furent baptisés du nom chrétien. Aujourd'hui, 15 septembre 2022, nous allons considérer un fait important concernant un support envoyé à Jérusalem par les croyants d'Antioche. Il est dit en Actes chapitre 11, versets 27 à 30, « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude, un empereur romain. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Une contribution pour les croyants de Judée, autrement dit, une libéralité en faveur des croyants de Jérusalem. En introduction à ce geste de cœur, il est fait mention des prophètes en visite à Antioche. On se demande si ces prophètes-là fuyaient la persécution ou bien si tout simplement c'était comme d'habitude, eh bien, ils visitaient la ville. Ce qui semble dénoter une sorte d'interdépendance entre Jérusalem et les autres églises locales naissantes. Amis, le nom prophète n'est pas forcément lié à la prédiction de l'avenir. Le prophète met aussi en lumière la parole de Dieu comme prédicateur de l'Évangile. Cependant, dans ce cas-ci, à Antioche, en visite, l'un d'eux nommé Agabus annonce une grande famine sur la région et celle-ci est arrivée sous l'empereur Claude. Des prophètes en visite à Antioche, une grande famine est prédite et annoncée et c'est arrivé sous l'empereur Claude. Maintenant, amis, que faire pour soutenir des frères, des sœurs dans le besoin? C'est important. S'il y a famine, certainement, il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres. Maintenant, que faire pour soutenir des frères, des sœurs dans le besoin?
Et c'est ainsi, amis, que les frères, que les croyants d'Antioche résolurent de venir en aide aux autres croyants, principalement ceux de Jérusalem, ceux de Judée, suivant leurs moyens. Amis, une telle vision de la contribution néo-testamentaire correspond bien à la parole écrite en 2 Corinthiens 9, versets 5 à 7, de contribuer généreusement, volontairement, selon ses moyens, ce qui relève, amis, de l'amour fraternel. Voilà, vous voyez, là nous lisons dans le Nouveau Testament, nous voyons même réalité, comment Paul décrit ça. Il dit que, nous contribuons selon moyen, nous contribuons, eh bien, voilà, volontairement et généreusement. Ce geste, ami, relève de l'amour fraternel. Et remarquez bien aussi, ami, Barnabas et Saul semblent s'unir dans la mission. Ils servent de courrier pour faire arriver les dons de l'église d'Antioche aux croyants de Jérusalem. Waouh! C'est une résolution ferme à venir en aide aux autres croyants. Et il est dit, selon les moyens de chacun. Un secours envoyé en Judée. Et Saul et Barnabas servent de courrier. En conclusion, amis, ces prophètes étaient-ils envoyés à Antioche par l'église de Jérusalem? Ou venaient-ils tout simplement par un mouvement de l'esprit? Ou enfin fuyaient-ils devant la persécution? Mais il est clair que le prophète Agabus a annoncé un événement qui est effectivement arrivé. Et en réaction, amis, regardez bien, les croyants soutiennent d'autres croyants en difficulté. Dans ce passage, nous pouvons retenir prophétie, entraide, accomplissement, libéralité. Voilà, amis, une contribution pour les frères qui sont en difficulté dans la zone de Judée ou bien à Jérusalem. Voilà, amis, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons parler à notre Dieu. Père, notre Dieu, nous te rendons grâce pour tes bienfaits sur notre vie. Merci pour ta parole qui continue de nous enseigner. Merci pour l'inspiration que tu nous communiques. Merci pour tes révélations. Oh, merci pour toutes choses. Nous bénissons ton nom puisque tu restes en contrôle. Et nous bénissons ton nom parce que tu continues d'œuvrer pour notre bien et pour le bien de notre pays. Père, nous te rendons grâce. Oui, nous t'adorons et nous te louons. Nous voulons te prier pour le foyer de communion, Seigneur. Nous ne cesserons jamais de te prier pour cet organe que tu as bien voulu appeler à l'existence. Et nous voulons prier, Seigneur, que tu continues de nous canaliser, oui, pour œuvrer pour toi, pour glorifier Jésus et pour inspirer notre pays, pour permettre à notre pays de respirer un air nouveau. Merci pour chaque personne que tu connectes à notre service. Notre prière, c'est que tu rassembles cette grande armée pour partir à la conquête de notre pays, pour glorifier Jésus et redonner espoir à notre pays, à notre peuple. Merci pour chaque personne connectée à notre service, sur nos groupes. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses leur famille et que tu les bénisses abondamment. Nous prions aussi pour leur implication, Seigneur, dans le foyer de communion. Ô Père d'amour, permets qu'ils trouvent inspiration, oui. Et ainsi, ils viendront à toi. Ils viendront œuvrer pour toi. Nous te prions maintenant, Seigneur, pour Elsira, Augustin Prédestin. Nous prions pour sa santé physique et émotionnelle. Nous bénissons ton nom parce que tu l'as ramené de l'hôpital. Et nous te disons merci parce que tu nous as exaucés.
Merci surtout, Seigneur, parce que dès ce moment, tu vas canaliser ce couple, oui, pour glorifier Jésus et pour s'épanouir. Merci pour leur fille Abby. Ô Père d'amour, nous en profitons pour prier pour Manassé, oui, pour Gainsley, pour leurs parents. Père, tu connais toutes choses, cette grande famille, nos parents. Nous prions, Seigneur, que tu les accompagnes et nous prions que tu continues de les orienter, les bénir. Oui, Seigneur, merci pour toutes choses. Nous voulons te prier aussi pour Madame Norma Norgues, qui profite de ce séjour en République dominicaine. Tu connais toutes choses. Nous prions pour son garçon. Nous prions pour sa famille. Nous prions pour ses petits-enfants. Et nous prions surtout que tu continues d'œuvrer à travers cette femme, oui, pour te faire connaître, oui, et pour lui donner, Seigneur, de te rendre grâce en toutes circonstances. Merci surtout, Seigneur, pour notre pays. Oh, nous connaissons des situations difficiles dans ce pays, mais nous voulons réaliser et nous voulons admettre, nous voulons comprendre avec toi, nous ferons des exploits. Et ainsi, nous devons nous laisser comme des instruments entre tes mains pour transformer notre pays. Nous bénissons ton nom pour cela. Permets, Seigneur, que des gens conscients, oui, que des gens conscients et éveillés, oui, Père, puissent dépendre de toi pour prendre les rênes de ce pays et œuvrer pour le bien des Haïtiens. Ô Père, nous voulons prier pour Madame Milouz et le frère Volsi. Seigneur, canalise la vie, Seigneur, de ces deux et donne, Seigneur, qu'ils puissent te voir, t'adorer, te servir et s'unir. Nous voulons prier aussi pour nos partenaires du ministère. Nous bénissons ton nom pour chacun d'eux. Nous bénissons ton nom pour leurs activités respectives. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu continues de parler à leur cœur. Oui, Père, pour révéler ta volonté et aussi pour leur donner des directives claires. Merci pour l'équipe de gestion du foyer de communion. Merci pour l'énergie, Seigneur. Oh, merci pour la bonne disposition que tu communiques à ce groupe. Et notre prière, Seigneur, c'est que nous arrivions à mettre sur pied une équipe qui te glorifie, une équipe qui bénisse ton nom, une équipe, oui, Père, qui va partir à la conquête, à la reconquête de notre pays pour glorifier Jésus et aussi pour œuvrer pour le bien de chaque Haïtien. Nous prions pour chaque enfant en Haïti, coincé maintenant à la maison, en attente d'aller à l'école. Et tu vois la situation. Ô Père d'amour, ô Père d'amour, permets que nous réalisions qu'il y a une route royale vers le succès, vers la stabilité. C'est quand nous te connaissons et nous te faisons confiance. Père, inspire nos leaders chrétiens en Haïti. Des engagements sérieux. Oui, des engagements sérieux pour la transformation de notre pays. Nous te bénissons, nous bénissons ton nom, nous te disons merci, nous comptons sur toi. Nous prions pour notre famille respective, Père, nos filles. Ô Seigneur, continue de bénir, continue d'œuvrer à travers elles et surtout, donne qu'ensemble nous puissions chaque jour témoigner de ta bonté, de ta grande bonté, de ta grande compassion pour notre famille. Merci pour ta fidélité et merci surtout pour la libéralité que tu nous inspires et que tu vas continuer de nous inspirer, oui, pour venir en aide à ceux qui sont les plus vulnérables. Fais-nous grâce, Père, et nous te réclamons ces faveurs au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amis, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous demain, Dieu voulant. Mais entre-temps, je prie que le Seigneur vous accorde une journée pleine et entière,
sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, amis.